jeune, je trouve que c'est à Samsung. Et en particulier, Damien. Franchement, l'effort et la contribution de Emir et Odette Nestar à l'hôpital Kimaya Kotoba. Elle est constamment là, elle répond à l'appel. Et sans Emir, je pense que cette action, ce projet, n'aurait pas pu être. Je vais faire un mot, tout le personnel médical et paramédical et ouvrier de l'hôpital. L'action en Avia, c'est une action extrêmement importante. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez, la nef, les salles de jeu, les équipements. C'est, je pense, et surtout, ce que vous voyez que quoi. Les couleurs, les rideaux, les stickers, un double impact. Un double impact sur l'enfant, L'enfant malade, quand il est hospitalisé, un retentissement à chaque psychologique de l'hospitalisation, de la maladie. Ce qu'on appelle l'humanisation de l'hôpital, l'humanisation à l'hôpital, il y a José, qui est venu à l'hôpital, vous connaissez pas ça. Ce projet nous a pris, c'était pas très, très évident. On a l'habitude d'agir dans des environnements beaucoup moins douloureux, si je peux me permettre. On est très sensible à la souffrance des enfants. Mais je connais, ils souffrent. Ils sont là, pour des traitements qui sont plus ou moins difficiles. En tout cas, ça nous a touchés et nous avons, avec l'aide de l'association, c'est une grande contribution de l'association et aussi un grand appui de l'hôpital, nous avons pu aider d'une manière à rendre le sourire, d'ailleurs c'est le slogan de Junel, à beaucoup d'enfants dans cet hôpital. De 20 ans que je dirige le service de réanimation que je dirige actuellement, et jusqu'à ce que je connais Camille, qui est un petit peu par hasard d'ailleurs, j'ai toujours rêvé de mettre une touche d'esthétique dans le service. Un côté d'innovation, il y a quelque chose qui était agréable aussi bien pour les enfants que pour le personnel, que pour les médecins. Et il faut avouer que dans nos hôpitaux en général, on a tellement d'autres problèmes plus urgents à régler que ce côté-là passe toujours, c'est toujours été considéré comme un luxe. Et j'ai toujours cherché à introduire cette note-là dans mes services. Je n'ai pas trouvé les mécanismes que j'avais. J'ai eu plein de promesses des gens que je connaissais qui me disaient on a des élèves qui font leurs études aux Beaux-Arts, donc ils vont nous faire bouger. Mais ça n'a jamais abouti parce qu'il n'y avait pas une organisation derrière tout ça, ou des choses malgré des gens qui font ça. Donc, le but est d'humaniser un petit peu l'hôpital, d'apporter une touche de gaieté, d'esthétique qui fait plaisir à tout le monde. On est très beau grâce à ça. Il y a certainement d'autres. Je ne suis pas au courant de tout ce qui s'est passé dans l'hôpital, mais il y a des scènes de jeu, etc. Et donc voilà, je remercie Amir, toute la société Tuned, bien sûr, qui en a fait partie. Les gens de Samsung, bien sûr, qui ont permis d'avoir un financement pour qu'elle puisse réaliser tout ce qu'elle a fait.